Mais il fait quoi cet étudiant? Il va en cours? Et puis c'est quoi ces drapeaux bizarres? Cet étudiant va tout simplement donner son sang. Un geste simple, mais qui peut sauver des vies. Si ça vous intéresse, en ce moment, l'établissement français du sang est présent à la fac de lettres en A015. Il vous suffit pour cela d'avoir votre carte d'identité et de remplir un questionnaire très simple. Mais pourquoi ils sont à la fac de lettres? La fac de lettres, comme l'ensemble des facultés, nous permet de recruter de nouveaux donneurs. Et puis, pour les donneurs qui ont déjà l'habitude, ça leur permet de donner sur leur lieu d'études, de travail et d'être présent pour nous facilement. Donc des donneurs après qu'on va essayer de fidéliser, puis essayer de faire revenir sur des collectes proches de leur lieu d'habitation ou sur notre centre Boulevard Lobo, hein, qui est ouvert 6 jours par semaine. Mais donner son sang, ça consiste en quoi exactement? Ça dure entre 7 et 10 minutes et on vous prélève entre 400 et 500 ml de sang. Ensuite, vous passez 15 minutes en observation, vous aurez même le droit à une petite collation. On peut se dire qu'un jour ou l'autre, nous ou des proches de sa famille auront besoin un jour de produits sanguins et dans un devoir de solidarité, on doit être tous amenés à pouvoir donner son sang pour le bien-être de la communauté, je vais dire. Si vous souhaitez également donner votre sang, vous pouvez vous rendre en A015 à la fac de lettres du lundi 19 à ce jeudi 22 mars, de 11h à 18h. Fastoche !